Il faut agir pour sensibiliser, agir pour permettre à chacun et à chacune d'être soi-même sur son lieu de travail. J'ai tendance à toujours rappeler que la question de la diversité, encore plus l'inclusion, ça ne se décrète pas, ça se construit durablement. Non, les discriminations que j'ai pu vivre, les discriminations que je pourrais vivre, je vais pouvoir enfin en parler. C'est plus un sujet tabou dans l'entreprise. Je pense qu'il est aussi très très important de libérer la parole. Notre priorité est d'inclure toutes les diversités. Il n'y a rien de plus logique que cet engagement pour Sanofi. C'est vrai pour toutes les diversités et c'est un combat qui est très important. Et je pense qu'il est essentiel que l'on puisse donner de la visibilité, ouvrir la parole et développer le dialogue. Ce que je vais avoir la chance de faire, c'est d'être moi-même, d'être moi. Et ce moi, de loin, dans le brouillard, ressemble à une grande blonde d'un mètre 90. Et c'est très bien. Aujourd'hui, nous voici réunis pour signer ensemble la 150e charte d'engagement LGBT+ de l'autre cercle.